Bonjour, chers amis. Dernière pression finale, Freedom News Ville Libre, 17 avril 2024. Comment ça va aujourd'hui? Un peu de retard sur la programmation. Désolé, alors beaucoup de choses de dernière minute. Bonjour, Sylvie, Danny Lambert et le Challenge X. Mettez un cœur à tweeter, c'est bon, les algorithmes, merci beaucoup. Allô, Fanny, Roxane, Louise, Guylaine et tous les autres. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, comme je dis. Hier, j'en ai fait une partie, j'ai trouvé d'autres choses. On commence à analyser, mais je n'ai pas juste analysé le budget. Mais ouais, il y a plusieurs choses dedans. Allô tout le monde et Daniel. Mon chat avec des poils, mamelles et sans pénis, je dis aussi bonjour, gang. Aïe, aïe, aïe. L'armée pacifique a fini, merci beaucoup tout le monde. Voilà, pour vous donner une idée, aimez, partagez, merci beaucoup, très important. Alors, allez les amis, on monte ça. Voilà Sophie, dose de nouvelles quotidiennes, il va y en avoir quelques-unes encore aujourd'hui. J'étais tantôt avec Sylvain Laforêt, dont j'ai fait notre avec, qui va diffuser en radio d'abord et ensuite avec la vidéo. Donc, on va regarder ça. Je vais vous avertir quand je vais avoir la diffusion. Donc, j'étais en enregistrement tantôt. Et, ben oui, Martine, merci beaucoup. Alors, c'est une drogue. Il nous faut une dernière brisson à la fin d'une bonne drogue. Merci beaucoup. Hein? Salut les patriotes, Jean-Marc Guertin. Allô. Ouais, on va parler un peu du volet patriotique aujourd'hui. On va parler du ministre de la CAQ qui a démissionné pour aller rejoindre Pierre Poilievre et les conservateurs du Canada. Puis un gars qui a eu des problèmes, des problèmes d'éthique aussi, mais bon, je sais que c'est plus important aujourd'hui, là, des problèmes d'éthique. Là. Le budget, ben, il faut le décortiquer. J'en ai trouvé une ce matin. Shopify n'est pas content du budget, justement, pour l'histoire du gain capital. L'école Chavigny, un professeur complotiste et anti-vax, comme je dis à Trois-Rivières, ben oui. Ce soir, Maxime est à Brochu TV, effectivement. Merci du bon rappel, des annonces, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce soir, à 20h, ne ratez pas, Brochu TV. On va s'assurer de partager un peu partout. Brochu TV et c'est en lien avec Radio Infocité. Je serai présent avec Radio Infocité aussi à 21h. Hier, j'ai fait un envers du mondialisme spécial femmes. Ben oui, là, il y en a qui peuvent penser que je suis contre les femmes. Ça n'a rien à voir, là. C'est pas pantoute, là. C'est exactement le contraire, plutôt. C'est le problème qu'on a au Québec. Et les Québécoises, ben c'est ça. Sont à risque, mais ils vont le voir plus tard. Tu sais, genre en placement, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Ils vont le vivre de leur vivant. Patrick de Québec, Patrick, ben, on va regarder ça tantôt, justement. Et bonne fête à Sylvie. Alors, merci beaucoup. Alors, bonne fête, Sylvie. Sylvie Ouellette, c'est sa fête. Alors, souhaitez bonne fête à Sylvie. Merci beaucoup. Du rappel. Et je ne suis pas d'accord avec le congédiement du professeur. Ben non, mais on me semblait que c'était hein, la COVID passe à autre chose, c'est fini. Puis ça. Ah ouais! Oui, dans Argenteuil, justement, dans les nouvelles. Dans Argenteuil, oui. On va avoir un candidat. Candidate, c'est pas. Il n'est pas encore là. Je vérifie un instant. Et je vais retourner le lien pour, si vous voulez être candidat, candidate, ou vous connaissez quelqu'un que vous pensez qu'il y aurait de l'allure, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 22 avril, le lien. Je vais vous envoyer ça à l'instant pour faire application. Bon. Alors. Donc, c'est ici. Devenez candidat. Donc, je vais vous l'envoyer dans les commentaires rapidement. Alors, vous avez la page « Devenez candidat pour le PPC ». Il faut une équipe pour gagner. Nous avons besoin de défenseurs de liberté dévoués pour reprendre notre pays aux mains des élites politiques établies. Alors, voilà, se présenter comme candidat est plus facile que vous le pensez. Vous avez les procédures de candidature. Devenir membre du PPC, bien sûr. Valeurs fondamentales, bien les connaître. Vérification des antécédents criminels, ben oui. Préparer une courte biographie. Apprendre comment se présenter sur les médias sociaux. Bon, ça, je suis là pour aider aussi en passant. Lire et signer un accord de non-divulgation, rédiger un CV. Oui, c'est relativement simple. Et les valeurs de liberté, responsabilité, équité, respect.
C'est là-dedans qu'on est, questions fréquemment posées. Voilà. Donc, vous avez le lien. Je vais vous envoyer ça dans les commentaires. C'est le temps jusqu'au 22 avril. Et voilà. Et amis de Rumble aussi, salutations tout le monde. Bonjour Daniel et tous en direct de l'Abitibi. Yes. Alors, Gilou. Gilou Goulou. Gilou. Gigi Loulou. Voilà. Gigi Loulou. Je vais l'avoir. Bonjour Claudie, Miss Roxy. Et les autres, Twitter, c'est la même chose. Je vais le partager aussi sur Twitter. Comme je dis, c'est du manuel. Il faut que je pense à chaque fois à le faire. Et c'est moi qui fais le montage et tout. Donc, c'est ici sur les nouvelles, ceux qui m'écoutent. Voilà, vous allez voir dans les commentaires. (coughs) 69 vues actuellement, voir les engagements du post, on voit ça live, les nouvelles, merci. Yep, 69 présents. Bon, alors ça se poursuit. Moi aussi, j'ai aussi retenu qu'il fournirait la contraception gratuite pour ceux et celles qui le voudraient. Donc pour les femmes, il y en a qui disent que c'est un progrès, tant mieux. Mais je me méfierais, contraception gratuite, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans? Ça va être gratuit, vous ne poserez pas de questions. Et Sylvie qui rentre, voilà. En Beauce, il y avait une personne et elle a dû quitter pour son emploi récemment. Donc, il va y avoir quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est clair. Allô, Daniel, ne deviendra pas candidat trop vieille, mais vrai, supporter certains, il faut que ça change. Et Lisette, si toi, tu ne peux pas, tu peux penser à quelqu'un que tu connais dans ta famille ou amis proches, qui peut-être serait intéressé. Est-ce qu'il y a une liste de candidats par région, pas encore officielle? Et quand vous appliquez, vous voyez les comtés disponibles. Allô, Julie. Bonjour, Daniel et tous. Les tenaces, c'est nous. Yes. Et bonjour, Edena. C'est lui qui vous remercie pour tous vos souhaits. Merci beaucoup, Sylvie, pour tout ce que tu fais. Très apprécié. Et ça permet de continuer aussi. Oui, et ce qui permet, on va mettre notre de suite. Alors, déjà, ben, en fait, c'est plus de 300. Et on monte tout de suite. On est rendu au 400. 400 indotables. Voilà, déjà, on est rendu 400 indotables. On se réchauffe. On commence tranquillement, pas vite. Malgré tous les sujets de folie qu'il y a actuellement. Oui, Longueuil, Linda, il y en a un. Puis Longueuil est divisé en deux. Faites attention au fédéral, il y a deux. Longueuil, il est divisé. Donc Longueuil, Saint-Hubert, oui, il y a quelqu'un. Tiny Olinga, Jeff T. Donc, si vous voulez voir un aperçu, allez voir sur YouTube, Parti populaire du Canada, YouTube. Vous allez voir des présentations de 5 candidats, justement. Il y avait Saint-Hyacinthe qui était là. Secteur de Laval aussi, Alfred Pellant. Donc, il y a Longueuil, La Prairie, c'est qui l'endroit? Je vais me revenir. N'hésitez pas à vous impliquer. Ne soyez pas gênés. Les gens ont une opportunité d'aller défendre leurs convictions, d'aller débattre, challenger les oppositions. Ce n'est pas donné à tous. Profitez-en du temps que ça passe. Merci beaucoup. Steve, qui est candidat, lui aussi, PPC, Steve Dufresne, alors qui est candidat dans le secteur de Laval. C'est en cours, Lévis-Pintante, Chaudière-Appalaches, c'est en cours. Lobinière, il y a un candidat, Pierre-Olivier Roy, qui est dans Lévis-Lobinière, Pierre-Olivier Roy. Bournois, personne à ma connaissance de mémoire. Mais un membre de la CAQ peut-il être meilleur dans un autre parti? Bah, tu sais, il était en faveur des mesures, il y a eu des problèmes d'éthique. Sincèrement, non. Et Steve qui précise en passant, Steve Dufresne, circonscription Marc-Aurel-Fortin-Laval, Marc-Aurel-Fortin. Saint-Jean-Richelieu, toujours disponible, il y a quelqu'un qui est là. Il y en avait un, André Demers, Rouyn-Noranda, il y en avait un, mais il faut voir s'il est toujours disponible parce que Rouyn-Noranda, c'est différent. Ouais, Richelieu, là, pour l'instant, il y avait quelqu'un, il ne l'a plus, mais il y a une personne qui est approché, on va voir. On va réserver la surprise.
Lac-Saint-Jean, même chose, il y a quelqu'un en processus, en procédé. Lac-Saint-Jean, pour l'instant, officiellement, il n'y a personne. Il y avait quelqu'un, mais ce n'est pas officiel encore. Côte-Nord, il n'y a personne. La Côte-Nord, la dernière élection, il y a une femme qui devait se présenter. Au moment de déposer ses signatures, elle a reculé. Elle ne s'est pas présentée. Alors, sur la Côte-Nord, pour l'instant, il n'y a personne. Et d'ailleurs, ceux et celles qui sont membres, je vais leur vous envoyer un email personnalisé pour ça. Ah, en parlant de Longueuil, sais-tu si les marmottes doivent avoir une médaille? La ville a une marmotte non identifiée dans ma cour. La ville devrait avoir une étiquette. Ben d'accord. Pour moi, j'enverrai une mise en demeure à la ville. Une pomme pourrie qui se présente dans une autre partie va pourrir son nouveau panier de pommes. Je ne peux pas dire mieux, hein? Ouais. Joliette, toujours personne aussi. Il y avait quelqu'un en dernière élection. Pour l'instant, le Joliette, il n'y a personne encore, Sylvie. Même chose. Les gens, ils attendent la dernière minute. Il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est ça le. Mauricie, oui, il y a quelqu'un à Mauricie. Émile Mault à Mauricie et Trois-Rivières. Donc, Mauricie fédérale, c'est divisé Trois-Rivières, Mauricie. Alors, oui, on a deux candidats déjà. Yann Patry et David. Ah oui, à Mauricie, c'est couvert. Une partie. Berthier-Masquelongé, toujours disponible. Portneuf, personne. Beauport-Limoilou, personne officielle, ni Charlebourg. Alors, ça vous donne un peu le topo. Hein, c'est beau avec des émoticônes, hein? Heureux anniversaire, Sylvie Ouellet. On voit toutes les belles images des émoticônes. Hein? Eh oui, l'intégrité, on va y revenir là-dessus. Laurentide, là, oui, pour l'instant, c'était encore Richard Evenco. Evenco, Laurentide. Oui, il est en Alberta, mais il va se présenter quand même. Bon. Beauport, il n'y a personne pour l'instant. C'est votre chance. Vous avez les liens pour supporter cette chaîne libre et sans censure si vous voulez à Beauport. Alors, c'est le temps. La dernière élection, même Beauport n'avait personne. Les signatures sont arrivées 20 minutes trop tard au bureau de vote. Oui, Lac-Mégantic, c'est Marex Pachec. Lac-Mégantic-l'Érable, Marex Pachec qui est là. Allez le voir, allez suivre. Il y a un moment donné, il va y avoir toute la liste de tous les candidats officiels. Vous allez toutes les voir partout. OK. On est rendu rapidement. Bon, d'abord, on est ça ici. Ça a monté vite. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, 500. Merci beaucoup. On continue. On poursuit notre travail. On commence rapidement. Météo spatiale spéciale. Il faut commencer, c'est important d'informer les gens. Toujours. Toujours. Parce que sinon, ça sert à quoi? Ça sert à les tenir dans l'ignorance si tu n'informes pas les gens. Bas-Saint-Laurent, ouais, il a été découpé aussi. Abitibi, c'est la même chose, Rouyn-Noranda, Abitibi. Spaceweather.com. Les vents solaires 358 et la densité très basse, 1,06. Un autre CME s'en vient. Alors, on devrait nous frapper demain. Demain, aurore boréale principalement. L'éclipse solaire. Alors, on a une nouvelle radio station. Fréquence information. Là, la fréquence du temps. Il y a quelque chose qui a changé. Ah, ils l'ont vu avec les ondes radio. Doppler shift. Alors, le signal a été perturbé. Distinct S-curve, signature associated with the eclipse. Ah, vous voyez une perturbation ici intéressante. Une perturbation d'onde courte qui a été notée lors de l'éclipse. C'est intéressant, ça. Ça, c'est de la mesure précise. Hein? Alors, vous avez les ondes qui voyagent à distance. Éclipse, night day. C'est pas pareil, effectivement. Ça change la ionosphère et autres. Ceux qui ont étudié dans les ondes votre cours de physique, peut-être ça va vous rappeler des souvenirs. Vous savez que si vous changez la densité d'un milieu X, la propagation des ondes peut changer. Et donc ici, on a un effet Doppler.
qui a été perturbé aussi. Alors, c'est très intéressant. Donc, le court temps de l'éclipse, le temps que ça leur refroidit puis ça leur monté, regardez la perturbation, drop, remonte et stabilisation après. Donc, wow, hein? Et vous aviez la pré-éclipse, hein? Ça qui se préparait quand c'est arrivé. Tourne. Un impact sur les communications, donc, à l'éclipse. Alors, c'est physique, c'est pas la magie, c'est calculé. Alors, les longueurs d'onde sont différentes d'un milieu à l'autre. Donc, l'éclipse est venu perturber ça. Et quelqu'un a envoyé ça, « I love you to the moon and back ». Quelqu'un qui a envoyé le pendentif en or via d'un ballon sonde, tout simplement. Alors, c'est un pendentif de l'éclipse. Alors, intéressant, on a des mesures. L'éclipse solaire a été une des plus observées avec des instruments modernes. On a des drôles de taches, 36-39 qui grossit. Ça va être surveillé. Il y a des petits spots ici. Il fait de l'acné, le soleil, on dirait. Disparate. Mais 36-39, on va voir ce qui va arriver avec ça cette semaine. Ça, c'est le modèle qu'il y a eu. Donc, la Terre va être frappée une fois de plus. Hein? La petite boule jaune ici, c'est la Terre. Alors, en pleine face, on va avoir des belles aurores boréales qui s'en viennent, principalement. L'indice thermosphérique, toujours 18.85 × 10^10 watts, donc en bas du 19. C'est ce qu'on a comme situation. Et hop, ça descend. Côté volcanique, on a une éruption qui a eu. Ah, Diane Lamar donne son avis sur les rhumes des foins. Elle est en train de nous dire que la saison du pollen va être plus dure que jamais. Nous avons eu n'importe quoi, cette femme. Ouais. Un candidat pour les Laurentides en Alberta fait loin de connaître nos besoins. En fait, Nathalie, il connaît très bien nos besoins. Il a vécu là. Puis, il est au courant de ce qui se passe encore. Faites-vous-en pas avec ça. Et il va revenir le temps venu. Il va venir faire un tour. Et je pourrais me présenter dans le Nunavut si je voulais. Au fédéral, c'est comme ça. Ah, le soleil a pogné la rougeole. Il va falloir le vacciner. Ouais. XX Clary Blais, bien le bonjour. Une petite vidéo, une éruption volcanique qui a été filmée. Quand même. Alors, c'est le volcan indonésien Ruang. Alors, c'était le volcan. Une éruption en cours, vous avez vu des éclairs, c'est tout à fait un phénomène normal, ça aussi. Alors, c'était des images et vidéos et films de cette éruption qu'on voit ici. Donc, vous voyez les éclairs. C'est un phénomène naturel normal dans ce cas-ci. Et les gens évacués, bien sûr, centaines de personnes. Là, tu ne restes pas à côté de là. Hein? C'est pas le temps. Et là, c'était dans le noir. On avait de la misère à le voir, mais c'est clair que les éclairs se rapprochaient un petit peu. Beaucoup de pollution, beaucoup de cendres volcaniques éjectées dans l'atmosphère. On est correct que le soleil n'a pas de zone. Diane Lamar, le gouvernement a rendu malade la population mondiale en disant l'apocalypse des zombies de Diane Lamar. Faux pollen par les chemtrails. C'est leur connerie qui est de plus en plus intense les médias. My God, ils ne se donnent pas de break aux autres. Non. Ils continuent. Hein. Débarrassez-vous du gouvernement et de la santé publique frauduleuse, bien branchée avec le milieu. Pharmaceutique, mais il ne faut pas le dire. C'est sûrement à cause des changements climatiques, comme disent les médias. Ben oui. Oh, et le volcan était proche. Donc, dans ce sens-là, tu te tiens un petit peu plus loin. Tu sais, et évacuer, oui, c'est pas une surprise parce que après ça, aller te chercher là, c'est tough. Vous voyez, donc, c'est pas long. Hein? Hier et avant-hier, il n'y avait pas grand-chose. D'un coup, whoop, ça saute. Et je ne sais pas si tu vois des images. Détroit de la Sonde. C'est curieux, je ne l'ai même pas. Est-ce que c'est un volcan d'hier ou d'aujourd'hui? Je ne le vois même pas.
Éruption Indonésie. Salut Daniel, il nous commence avec la coqueluche dans la région de la Beauce. Bon, ils vont tous passer la panoplie des vaccins, c'est clair. Là, le volcan Ebeco, centre volcanique principalement. Un autre ici, petite éruption, le Uotobi. Un peu de cendre volcanique principalement. C'est toujours les mêmes. Il a pas été, le site n'a pas été mis à jour, on dirait. 33 en éruption, 18 en avertissement et 30 réveillés. Donc, les deux, probablement, celui que je vous ai montré, il n'est pas encore sur leur page. Ils sont en retard des nouvelles, eux autres. Rouang Volcano, voilà, là, ici. Alors, lui, il est en éruption présentement. Je vais y revenir, Chantal. Merci beaucoup l'information. Ça confirme ce que j'ai vu. Alors, le volcan Ruang, Sulawesi, Indonésie, qui est donc 3 km d'altitude, 3 000 mètres, la colonne de cendres et autres, des éclairs volcaniques, des fontaines de lave, coulées pyroclastiques. Regardez, les gens sont quand même proches, mais c'est quand même une bonne éruption. Magnifique, spectacle. Mais il faudrait aller loin. Regardez tout ce qui s'en va dans les airs. Ouf! Hein? Ça fait quand même un gros panache, là. Belle photo. Belle photo. Donc, une Phoenix Cloud, comme un Phoenix, oui. T'es en train d'enfumer l'atmosphère, ça s'est fait de nuit, mais on le voit, regardez-moi ça. Oh boy! Beaucoup de cochonneries dans l'air qui va envoyer lui là, là. Ça, c'est un autre cheminée volcanique qui était filmé. Alors, puis on a une éruption ici. On entend le grondement un peu, hein? Ça, c'est clair. Alors, notre planète s'en va là-dedans. Hein? Il va nous scraper notre taxe de carbone, tabarnouche. Et maudit, il va faire monter la taxe encore. Ah non, c'est vrai, un volcan, ça diminue la température. Ouais. Sauf Tonga, c'est une exception, mais lui, il va. Cool. En passant, il me semble comme ça que les vaccins ne fonctionnent pas pour une bactérie, même si on sait qu'ils sont tous de la merde de la faute. Je mets de côté certains commentaires, on va en parler tantôt. Fascinant de voir un volcan en éruption, mais à la télé, je n'aimerais pas qu'il y en ait un dans mon coin. C'est incroyable, les dégâts que ça fait. Je peux faire un petit feu de camp. Oui, mais ils vivent autour parce que le sol est très, très riche. Hein? C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est très, très riche, un sol volcanique. Ça pousse très bien la végétation après l'éruption, bien sûr. Et on est rendu. Eh oui, déjà 600. 600 fiers indomptables. Merci beaucoup. En marche. Côté tremblement de terre, il y a un tremblement de terre au Japon. J'ai vu 6,4. Alerte au tsunami aussi. L'alerte a dû être levée, par contre, évidemment. Là, tu as un volcan en Indonésie qui pète. Tu as un tremblement de terre un petit peu plus gros au Japon. Non, pas d'alerte au tsunami. 6,3 au Japon. Au Japon, ils sont capables de résister à des 7 ennemis. C'était conçu pour ça. Donc, vous avez ça ici qui s'est passé. 6,3, ça a pointé. 6,3, tu le sens. Et je sais que justement, Chantal est là-bas, mais elle dit qu'elle sent des secousses des fois 4,6. Le Japon, eh bien oui, c'est une île assise sur des failles tectoniques directement. Californie, ici, dans la mer, un petit essaimage, regardez. Lié à l'affaire San Andreas. Alors, ça, c'est Californie, Mexique et d'autres. C'est toute la même faille. J'ai dit Californie. Dans ce cas-ci, c'est sur le territoire mexicain. Mais anyway, c'est la même faille qui bouge. Donc, ça s'est déplacé dans ce coin-là un peu. Des petites secousses. 4,9, 4,4. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres plus grosses ensuite? On ne sait pas. Est-ce que c'est précurseur des fois? Peut-être. Mais on n'a pas toutes les connaissances encore pour ça. Et. Peut-être des machines qui sont capables de créer une secousse, mais on ne connaît pas les impacts en profondeur de la secousse. Qu'est-ce que ça va faire?
Alerte aux politiciens, ils nous volent quand ils sont en éruption. Oui, ça aussi, je vais y revenir. Ma mère et une cousine qui voulaient aller en Espagne, mais TVA a dit que l'Espagne n'avait plus de touristes. Donc là, j'espère qu'ils vont y aller pareil. Ah! Non, non. Mais, ah! Mais écoute, allez-y, là. Misère. Non, sinon, allez à Cuba. Non, vous irez à Cuba. Angelo. Ah non, mais tu as le choix d'aller en Espagne. Puis TVA dit qu'ils ne veulent plus de touristes. C'est vrai, il y a un mouvement anti-touriste, 6 manifestants, ou 10, peu importe. Pas grand-chose, là, finalement. Mais ça marche, TVA, ça marche. Alerte! Trudeau va produire le plus gigantesque quatrain financier du Canada. Eh hey boy! Oh non! Bravo, Julie. Écoute, tu as fait ce qu'il fallait faire. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, oui, je leur ai dit, mais ils ont peur. Ben, quand ils continuent d'avoir peur, moi, je. Ben, c'est une bonne nouvelle. Tu dis, mes amis, te remercie, ça libère la place pour d'autres touristes qui vont y aller. Très belle place, l'Espagne, absolument. Ça marche, TVA, ça marche. Bah, bon. Faire peur, sont capables. Ils sont hot, ils sont hot. Alors, le lien, je sais qu'il n'est pas commode. Si on est capable. C'est le lien de la boutique FNL Freedom News Nouvelle Libre sur Amazon qui est disponible. Je n'ai pas trouvé le moyen que vous puissiez chercher facilement encore. Merci beaucoup à ceux et celles qui participent. Là, je vais retourner le lien sans que je vais retourner là-dessus. Je vais faire ceci. Faire des films à l'écran. Alors, c'est le segment économique. On va aller voir le dollar canadien en passant. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, je ne l'ai pas trop ouvert. Mais je le voyais descendre et descendre et descendre et descendre. Bon. Oui, pourquoi qu'il est descendu quand les annonces de Trudeau ont commencé? On va commencer par montrer. Un site d'échange, donc 1 $ CAD vers ça. Ou dollar CAD vers le dollar US. Alors, vous avez une échelle convert et je vais faire les charts. Et je ne suis pas sûr qu'avec le budget d'hier, ça va s'améliorer. View chart. Alors, c'est notre dollar canadien. Regardez la plonge. Ça, c'était en 2023. 12 juillet 2023, l'été passé, 76 cents. Puis ça a droppé, bang, 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 bang. 28 octobre 2023, oh, au début de l'année, c'était reparti à hausse un peu, 75 cents, fin d'année, début d'année, oups, ça baisse, et là, le bal des annonces a commencé, et là, poum! Alors, baisse encore aujourd'hui, le dollar canadien, 72 cents, 53. La descente se poursuit. Donc, le dernier budget d'hier, je ne pense pas qu'il a envoyé un signal fort pour dire, regardez, on est revenu dans le game. On va être un Canada dans lequel ça va être bon d'investir. Ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ben, les tech giants, voilà, les résultats plus décevants un petit peu. Et ils continuent de couper toutes sortes de choses. Green rate cut, coupe des taux, coupe des salaires, coupe des jobs. On va y revenir ensuite, une autre annonce d'avion encore. Et l'or qui diminue, ben, bonne nouvelle, ça va être le temps de racheter ensuite. Des marchands, évidemment, qui voient moins la nécessité d'investir dans l'or, pardon, pour des baisses de taux d'intérêt. Mais les baisses de taux d'intérêt, on s'entend, ce ne sera pas 1% puis 2% d'une claque, là. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Clair que je ne m'attends pas à des miracles là-dessus.
Donc, le Nasdaq, le Standard & Poor's 500, pardon, actuellement 5034, se maintient difficilement au-dessus du 5000. Rappelez-vous, il y a deux semaines, il y avait une prédiction à 5500. Donc, ça va peut-être rebondir. Dow Jones, 37 792, se maintient légèrement en bas de 37 800. Nasdaq, même chose, les titres technologiques, 15 557, baisse de 0,68, près de 1 %. Bien, près de 0,68, c'est quand même pas si pire. L'indice Russell 2000, 0,38, une fluctuation journalière. Et c'est ce qu'on a ici, le prix de l'or, justement, qui a baissé de 18 $ mais 0,77 en valeur. Donc, c'est pas catastrophique. Il a baissé plus que ça ce matin. Hein? Alors, de 2410, qu'on a payé, 2411, a baissé tout à l'heure à 2381. Alors, les volumes d'échange se poursuivent pour l'or. Ça bouge beaucoup. Donc, il va y avoir probablement une petite correction. L'argent, je ne sais pas si je l'ai ici. Je ne l'ai pas dans le silver. Ils ne l'ont pas mis. Bon, avant, ils l'avaient. Là, ils ne l'ont même pas mis. Bon, le voilà. L'argent. Parce qu'il y en a qui me disaient, est-ce que la prédiction de mettre ça à 90 $ est bonne? Et l'argent. Regardez, il suit la courbe de l'or pas mal. Il a monté, il a descendu, mais on parlait, regardez, quand il a monté de 28,7 $, et là, il a rebaissé. Hein? Il a rebaissé ce matin. Un peu plus bas. 28,38 $. 28,44. Donc, monte, descend. Ça, c'est le prix de l'argent. Alors, les marchés, on va voir ce qui va se passer. On va suivre ça. Boeing, je vais aller voir Boeing parce que, ou Alaska Airlines, je déteste leur nouveau site. Alaska Airlines, il s'est passé quelque chose ce matin. Bon. Mais ce n'est pas la nouvelle que je voulais vous montrer. Une drôle de nouvelle qui n'est pas peut-être pas rassurante. Les avions cloués au sol ce matin. Un avertissement de la FAA. Et est-ce que je ne l'ai même pas dans l'actualité en français? Il faut que je le mette en anglais. Et quand on dit qu'il faut craquer le dôme et voir l'anglais, là, c'est ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut renier notre français. Si on veut voir ce qui se passe ailleurs, on n'a pas le choix. Là. Il nous manque des bouts. Il manque des bouts. Ce n'est pas nos mesures ici. Bon, voilà. Alors, les avions ont redécollé. Alaska Airlines était cloué au sol ce matin. Quand même majeur, hein? Une heure. Alors, une heure arrêtée au complet. Alors, voilà. La compagnie n'avait pas dit pourquoi exactement « while performing an upgrade to the system » qui calcule notre poids et la balance. C'est n'importe quoi. Alors, tous les vols grondés quand même ce matin. Ça s'en passe des choses, hein? C'est quand même spécial. Boeing Aerospace qui n'est pas loin dans le décor parce que Boeing, le whistleblower, commence. Et voilà. Ce qui commence à ressortir, les vrais experts, et non pas des journalistes, les travailleurs qui travaillent dans cette shop-là, ont peur de lever le flag, hein, sur les problèmes de sécurité, disent les experts. Les travailleurs de Boeing, ils voient les problèmes, ils ne disent pas. Bravo. Documenter les processus de sécurité, faire le point. Ben, Boeing, après deux accidents mortels du 737, un comité d'experts a déterminé que l'entreprise avait plus de travail à faire. Minimum. Énormément, c'est pointable. 24 membres ont publié ses conclusions en février. La culture de sécurité de Boeing devrait changer pour suivre l'intérêt public dans la sécurité aérienne. Donc, bref, ils ont vraiment un problème interne de mauvaise gestion, de mauvaise assurance qualité. Et probablement que ceux qui font l'assurance qualité, on leur dit, ferme ta gueule, dérange-nous pas, on va livrer pareil, pas de problème, on va vite.
Et FAA, d'autres dossiers. Même la FAA, qui est supposée être l'organisme protégeant les gens, informant les gens des dangers. Une relation peut-être un petit peu trop proche, incestueuse avec la FAA et Boeing. Ben oui, suite à la Scania Airlines qui a eu des problèmes. Complaisance peut-être, hein? Complaisance. Boeing est une grosse compagnie, là. C'est clair. Énorme compagnie qui a du lobbying aussi. Chaque année, la FAA a cédé un peu plus de son autorité en débutant des fabricants comme Boeing pour contrôler la qualité de leur propre travail. Oui, bravo. Ben voilà un des problèmes. La FAA délègue son autorité aux fabricants, comme Boeing, qui contrôle la qualité de leur propre travail. Imaginez. Alors, la FAA, c'est un organisme gouvernemental qui est un fer de lance dans l'industrie aéronautique, avionique essentielle. Normalement, quand il y a un accident, c'est grâce à eux qu'il y a eu des mesures qui sont arrivées, qui se sont ajoutées. Les pilotes sont revenus malades subitement. Ouais, mais là, on n'est pas sûr. Pas sûr. Mais l'aéronautique, là, ça va pas bien. Ouais, une chance que les ultra-riches ont leur jet privé, hein? Oui, hein, ça tombe-tu bien? Ils vont nous taxer nos excédents de poids quand on va prendre l'avion, on dépense du carburant plus grande, taxe de carbone à la livre. Peut-être ça va venir, ça, c'est sûr. Ils sont mieux de se tenir les fesses serrées car ils peuvent tout perdre et n'auront plus confiance. Les gens ne voudront plus voyager. Savez-vous quoi? C'est un peu un objectif. Je pense qu'il y a moins de monde. Hein. Pendant ce temps-là, en Angleterre, la Royal Air Force ne recrute plus de pilotes hommes blancs, préférence aux femmes et minorités ethniques comme pilotes de guerre. OK. Allez-y. Comme les pharma, et tout le monde le sait. Et dans ce temps-là, la Chine, Vladimir Poutine, tous les autres s'en moquent. Ouais. Ça va être spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Boeing. Où s'en est rendu Boeing maintenant, leur action? Un fer de lance. Ben oui, il a perdu un peu de plume Boeing encore ce matin. La commission qui commence, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte commencent à parler. Alors, l'action a baissé de 0,42 %, 71 cents pour l'instant. C'est pas une grosse catastrophe, mais est-ce que vous ajouteriez des actions de Boeing présentement? C'est la tendance des 3 derniers mois. Sur 5 ans, regardez. Évidemment, il y a eu le crash de la pandémie. Hein? Bang! Tu sais, quand on a tout arrêté les avions, là. Ça fait du bien, ça, hein? Ben oui. Ces personnes, regardez le volume d'actions transigées à ce moment-là. L'action de Boeing était passée dans le top à 375 US. A droppé rapidement. Hein? Pandémie oblige. Pandémie, pardon. 95 $. Et ils s'en sont jamais vraiment remis, hein, comme vous voyez. Il était parti là-dessus. Là. Il y en a qui a peut-être intérêt à ce que ça plante, là. Non, regardez. Boeing était bien parti. Il y avait eu les attentats 2001. Un petit peu plus loin ici. Oups, ça avait droppé un peu. Le crash est là, ici. Bon. Alors là, après le 11 septembre, bien sûr, il y avait eu un crash des actions des avions en général, pas juste Boeing. Boeing était parti vers le haut. Ça allait bien. Et bang! La pandémie est arrivée. Quinte, oui. 446 $. Pataf! Ils s'en sont jamais vraiment remis. La chaîne d'approvisionnement était pétée. La qualité a pris le bord. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Mission accomplie pour détruire le mode de transport numéro un en Occident. Et Air Canada aussi. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui trouvent que ce monde est normal? Plein, plein, plein. il y a eu un reportage sur les nouveaux avions. Les pièces ne fitent pas parce qu'ils viennent de différents distributeurs, même un qui a fait une plainte et a été retrouvé mort. New York, ben, il y a de quoi aussi. Ouais, ça va être intéressant, incroyable. Donc, diminuer les voyages en avion, faire part aux gens. Puis ça marche, là, j'ai sûr que, là, comme on l'a vu avec Julie, ses amis, ils disent, hey, en Espagne, on dit qu'ils ne voulaient plus de touristes, fait qu'on y va pas. Là, tu vas avoir un article, hey, là, Boeing, ça va, c'est n'importe quoi. Bon. Et parlant de gens hyper normaux qui ont de l'allure, vous autres, vous en êtes des indomptables. On met la petite affiche et hop, on n'est pas à 800 encore, mais c'est quand même très bien, 700 fiers indomptables. Merci beaucoup tout le monde. On poursuit notre travail. À ce sujet, demain, il n'y aura pas de nouvelles du 1 en direct. Ça va être impossible pour moi. Je vais peut-être faire un pré-enregistrement. Très tôt le matin, je dois partir pour Montréal. Je serai à l'émission, donc, avec Gilbert Thibodeau, qui se présente à la mairie de Montréal et qui a toujours son émission Le Candidat. Donc, je suis invité à son émission Le Candidat. Demain, il n'y a pas de nouvelles du 1 demain. En direct. Je ne sais pas, je vais peut-être avoir le temps de faire un court clip avant, pré-enregistré, mais pas grand-chose. Je vais être en route. Si je n'ai pas le temps de le faire préenregistrer, je le ferai peut-être directement. Non, même pas, je vais être en plein enregistrement. C'est vrai. Alors, voilà, ça, c'est la situation économique. Shopify. Budget. Bon. On est dans le segment économique. On a eu un budget canadien hier. Budget, en tout cas. Un cadeau de 625 millions aux entrepreneurs. Bon, ben c'est un beau cadeau. On en profite. Oh, je vais revenir sur le 66 % des taux d'inclusion de gains en capitaux. Nouvel incitatif pour les entrepreneurs canadiens créés pour réduire leur taux d'imposition lorsque l'heure de vendre leur entreprise retentira. Donc, le taux d'inclusion qui détermine quelle part de gains en capitaux va être imposée à partir de 2025 va glisser à 33 % lors de la vente de certaines actions admissibles générant un gain en capital de 200 000. Ce montant total qui aura droit à un taux plus faible augmentera par tranche de 200 000 jusqu'à 2 millions de maximum en 2034. Alors, lorsqu'ils vendront leur entreprise en partie ou en totalité, les entrepreneuses et les entrepreneurs bénéficieront d'au moins 3,25 millions en exonération cumulative totale. Et passer des gains en capital. Bien, ça va peut-être encourager, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais les gens à vendre plus rapidement leurs entreprises. Est-ce que c'était nécessaire? Je me pose la question, je ne sais pas. Une mesure, c'est sûr que c'est bon, peut-être pour faciliter la vente plus rapidement d'entreprises à d'autres. Ça va être alléchant. Sujet à réajustement selon l'inflation. Donc, pour réinjecter dans l'économie par le biais de ce nouvel incitatif pour encourager le réinvestissement ou l'investissement dans une entreprise en démarrage. Il faudra que je vérifie. C'est bien bizarre. Mesure intéressante qui vient pallier la hausse du taux d'inclusion de 50 à 66 des gains en capitaux. Volonté du gouvernement pour encourager l'entrepreneuriat. Alors, il va falloir que je vérifie comme il faut. Toutes les actions ne seront pas admissibles. Les actions qui seront admissibles seront essentiellement les actions qui sont également admissibles à l'exonération cumulative sur les gains en capital, auxquelles on ajoutera de nouveaux critères. Le demandeur d'une initiative devra, par exemple, être un fondateur d'entreprise, détenir des actions qui représentent plus de 10 % de la juste valeur marchande, qui donne aussi droit à plus de 10 % des votes. Bon. Il devra avoir déboursé une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de se procurer l'action. La participation à l'entreprise devra aussi être représentée sa principale occupation au cours des 5 dernières années, donc ses actions d'entreprise. Certaines industries excluent cette mesure, soit les secteurs financiers, assurances, immobilier, hébergement, restauration, des arts, spectacles et loisirs. Les entrepreneurs qui offrent des services conseils, comme moi, ou des soins personnels ne pourront s'en prévaloir. Ah. Finalement, beaucoup d'exclusions.
qu'est-ce qui va rester là-dedans? Je ne sais pas, ça va être voir. Les actions d'entreprise, avec tout le paquet d'exclusions, pas mal de monde exclu là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça va être quoi le gain pour qui ou quoi, là. Une manufacture seulement, des grosses manufactures, des actions de grosses manufactures. Pour les reprises familiales, peut-être, ça va être intéressant, effectivement. La nouvelle imposition du gain capital qui est passé de 50 % à 66,6 %. Le nouveau chiffre n'est pas un hasard. Ouais. Patrick Gravel, je n'étais même pas au courant en passant. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au courant. J'ai aucun détail, rien. J'avais peut-être prévu ou pas, je ne sais pas. Pour le 24 juin au Mont-Royal, à Montréal, j'ai aucune idée. Alors, bonne séance de physio, Steve. Des actions d'entreprise applicables aux agriculteurs, peut-être, peut-être. C'est un drôle de mesure. Bon. Dans le budget qui est ici. On va y arriver. Budget. Hey, budget. Voilà. Alors, la page 168, on regarde les détails, hein, les détails donnés à chaque génération les moyens de réussir. Ah bon, alors, 2024, regardez la colonne, la deuxième colonne, c'est celle-ci qui nous intéresse, et plus. Prendre soin de chaque génération, reconnaître les titres de compétences étrangers en soins de santé. Pas cette année, l'année prochaine, 24 millions, 30, c'est tous des millions, là, 32, 14, bon, 77 millions. Établir un régime national d'assurance médicaments. Au Québec, probablement que ça ne passera pas. 59, 121, 358. Regardez l'augmentation prévue, 1,49 milliards. Quand même. Régime national d'assurance médicaments. Mais ça va être positif pour des compagnies d'assurance qui vont pouvoir offrir de quoi, peut-être, je ne sais pas. Mais un régime national d'assurance médicaments. 59 millions. Québec, ça va être exclu de ça, j'imagine. Compétences, c'est des compétences provinciales. Prestations canadiennes des personnes handicapées, c'est correct. 43 millions. 854. Et si vous réalisez, tu sais, Trudeau, ça va être important. 1 milliard 184 millions. Donc, ils ont budgété toutes sortes d'affaires reportées dans le futur. Le gros des enveloppes, c'est seulement après leur élection. S'ils sont réélus. Vous comprenez le pattern, là? Ah, si vous votez pour un autre, ah, vous ne l'aurez pas. Oh, que ça ressemble à ça. Bonifie la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. 1 million cette année. 1 million, 1 million, 1 million. Bon. Meilleur départ possible à chaque enfant. Un programme national d'alimentation scolaire. Encore là, on ne peut pas être contre la vertu. 1 milliard total, mais cette année, la deuxième colonne, 79 millions, 201. Ensuite, ça monte après 2025. Et pour ça, le prochain gouvernement, regardez comment c'est odieux. Exemple, Poilievre avait été élu. Ils font le premier budget conservateur après ça. Ça, c'est ce qui était budgété, 218 millions. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont le couper? Et sincèrement, est-ce la compétence du gouvernement fédéral, ça? Non, non, puis non, puis non. Et l'alimentation scolaire, ça passe pas. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment le Bloc québécois pourrait voter pour ce budget-là en passant. Ce serait une vraie honte s'il faisait ça. Pour le NPD, empiéter ses compétences provinciales, centralisateur, gouvernement centralisateur fort pour le NPD, Jack Mintzin, c'est correct. Ne pas respecter la Constitution pour les libéraux au NPD, c'est pas de problème. Le Bloc québécois devrait. Ça va t'avoir. Accroître l'accès des services de garde abordables, fonds provenant des ressources ministérielles existantes, moins les fonds provenant, donc l'argent. Ils font un transfert de fonds. Encore là, est-ce la compétence fédérale? Très vague, très flou. 6 millions cette année, 45 l'année prochaine et 55, 55, 71. Vous comprenez? Hein? 2026-27, la troisième colonne. Hein? Ah, ben là, faut que tu vas du bon bord, là. C'est intéressant.
L'apprentissage parascolaire. Pas grand-chose. Aider les parents à épargner pour les études de leurs enfants. 1, 2, 5, 4, 150, tout d'un coup. Hey, 150, ça pète-tu de la boue à ton goût? Hey, on aide les familles! On donne 162 millions. Oui, la dernière. Ah, 2028-2029. Pas besoin de vous dire que c'est des chiffres garrochés en l'air. Bon, et on arrive. Section 2.3. Je lis la section, le titre de la section. Des chances égales pour les millénarios et la génération Z. Les autres, mangez la merde. Augmenter les bourses et pré-études, 1,72 milliard. Ouais. Éducation, compétences, pas mal provincial. Accroître la main-d'œuvre en santé et services sociaux dans les milieux ruraux, rien cette année. 40 millions l'année prochaine, 56, on vous commencez à connaître le pattern. Il y a une ligne à tracer ici, l'élection, là. L'élection est entre la troisième et la quatrième colonne, ou avant. Bonifier le soutien au loyer pour la population étudiante. OK. Garochage d'argent, moi je coupe ça, c'est inutile. Faciliter le retour aux études. Bon, tu veux un Canada fort, tu sais, peut-être qu'au lieu de taponner pour le loyer, tu mets ça dans le budget de retour aux études, pourquoi pas. Et ça ici, aider la population étudiante à acquérir de l'expérience de travail. Non, pas cette année, l'année prochaine. Offrir des emplois et de la formation à la génération Z. L'année prochaine, 351 millions. Avant ça, pas besoin de ça. Non, c'est l'année prochaine. Lancer un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes. Cette année, on met 50 millions, puis on l'augmente ensuite. Bon. On continue. Je suis toujours dans la section 2.3. Des chances égales pour les millénarios et la génération Z. OK. Je suis là-dedans. On veut les aider. Donner. Vous suivez? Ça va? C'est pas trop raseur. Checkez bien ça, ce qui va apparaître. Je rappelle qu'on est dans la section pour aider la jeunesse. Investissement supplémentaire. OK. Donner à chaque génération les moyens de réussir. Je vais grossir. Vous pourrez prendre une capture d'écran. Et je vais enlever ma face même de là pour que vous puissiez prendre la capture d'écran sur ce qui va apparaître. Programme de soutien aux victimes d'une vaccination. Hein? OK, c'est le temps de prendre vos images, prendre des copies. Torse-toi donc, oui. Ah. 19 millions cette année, 17 l'an prochain. Après ça, 0-0, enjeu et vos troubles. 36 millions. Programme de soutien aux victimes d'une vaccination, principalement pour la vaccination COVID. C'était fait pour ça. Financement proposé à la SPC pour le programme de soutien aux victimes d'une vaccination. Ouais. Et vous avez un autre petit programme de cochonnerie. Programme du public. Voyageurs. 5 millions, 5 millions, 5 millions. Financement proposé par la SPC pour permettre au programme de public voyageurs d'assurer le maintien des normes sanitaires dans les moyens de transport public sur réglementation fédérale. OK. Programme de soutien aux victimes d'une vaccination. C'est dans la section... Des chances égales pour les millénarios et la génération Z. Fait que si vous êtes malade, on va essayer de vous aider avec ce qu'on vous a injecté. Ouais. Bravo. Non, non, mais ils mettent ça. C'est pas dans la section santé, là. Je ne suis pas dans la section santé publique. Non, on vise une génération particulière. Est-ce que tu qu'on vise particulièrement les 0-40 ans? Ou les 20 à 40 ans, 20 à 45 ans. On met ça, un programme de soutien aux victimes de vaccination, on met ça dans la section pour ça. Pour les jeunes, ils n'ont pas santé, c'est bizarre. 36 millions. En tout cas, pour une injection sûre et efficace, on prédit quelque chose. C'est quand même bon. Hein? Réduire le coût de la vie au quotidien, le reste, ça continue. Donc, je ne ferai pas le topo au complet aujourd'hui. Mais je tenais à vous montrer quelques points. Un autre point que j'ai cherché pour vous. Ben oui, l'Ukraine. Comment ça va, l'Ukraine? Alors, on a 7 points. Je vous laisse digérer un peu
la nouvelle de l'autre. Je vais revoir vos commentaires avant d'aller voir plus loin. Ah ben, il n'y aura plus de fonds pour le soutien aux victimes de vaccination. Avec le nouvel budget, les masques sont maintenant taxables. Sûrement atteindre plus de mortalité. Ben voilà, Lorraine. Il y a vous qui avez des problèmes avec ça? 36 millions. Alors, pourquoi continuer? Ben oui. Ça va les aider en donnant de l'argent à la CAQ. J'ai juste besoin d'un chèque de 500$, effectivement. On peut donner un peu plus d'argent. C'est irréversible, la Rennes Messager. Ils vont faire des recherches un peu comme Hitler dans le temps. Ben oui. Pour les plus âgés, qui crèvent, là, c'est vraiment capoté, là. C'est vraiment particulier. On met ça dans la section jeunesse, les fonds d'indemnisation supplémentaires pour des injections. Spécial, hein? Et vous allez payer pour ça. Merci pour vos contributions. Bon, on peut-tu faire un chèque direct à Zelensky? On sauverait ses intermédiaires. Ben, pas fou, ça. Victimes de vaccination sont tous morts. Il faudrait qu'ils portent plainte, j'imagine. L'Ukraine. Bon, là, regardez, Ukraine. Et c'est drôle, hein, parce que... Oui, c'est toi. Je vais revenir ici. Plusieurs choses. Bon, OK. Alors, un financement total de 14 milliards pour soutenir l'Ukraine, notamment 7,4 milliards au soutien financier immédiat, 4 milliards de dollars pour l'aide militaire. L'opération Réassurance, la plus grande mission outre-mer des forces armées canadiennes par laquelle elle contribue aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale. Donc, on rajoute 3,5 milliards là-dedans. Mais, capacité des cyberopérations, renforcement d'infrastructures essentielles pour contrer les cyberattaques, oui, ça, c'est nécessaire. Quand même, hein? Le budget de la défense, dépenses du ministère de la Défense, de la Défense nationale de 2009 à 2010, 2029 à 2030. Et regardez les augmentations de budget qu'il y a eu. Alors, les années du gouvernement Harper relativement basses. Et ensuite, ça a recommencé. 2017, 18, 19, 20. L'investissement qui a poursuivi, ça a monté un peu. Alors, en 2014, le Canada consacrait à peine 1% de son PIB. Aujourd'hui, le budget de ministre national devrait plus que doubler. Et notre participation à l'OTAN n'est pas atteinte encore. On est là-dedans. Hein? On est protégé canadien. Ouais. Protégé canadien et canadien au pays et à l'étranger. Avant, on n'avait pas ça vraiment. Hein? On n'avait pas ce mode-là comme discours. Ce n'était pas là-dedans. Ce n'était pas dans notre discours. Mise à niveau du NORAD. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord et l'appui du Canada à la sécurité continentale aux côtés de son proche allié, les États-Unis, pour protéger la souveraineté canadienne dans le Nord. Ben, c'est sûr qu'avoir écœuré tout le monde, on va être à risque. Financement d'11,5 milliards sur 20 ans pour permettre au Canada de contribuer à l'augmentation du budget commun de l'OTAN et établir un nouveau bureau régional à Halifax pour l'accélérateur d'innovation de défense de l'Atlantique Nord de l'OTAN. Donc, Halifax va bénéficier de ce nouveau poste, pour mauvais, pour la marine. La question, j'en ai parlé à Sylvain Laforêt tantôt, l'OTAN. Le Canada fait encore partie de l'OTAN, ce n'est pas l'ONU. L'OTAN, le problème qu'il y a, c'est que ça, le rôle de l'OTAN de type défensif est devenu beaucoup plus en mode agressif. Financement, 4,4 milliards sur 20 ans pour la cybersécurité, ça, c'est pas mauvais. On n'a pas le choix. C'est la défense. Mais le rôle de l'OTAN en aucun cas n'est remis en question. Ça, c'est un problème. Et notre rôle ici, personne ne le remet en question non plus, même pas dans l'opposition. L'opération Réassurance. Alors, mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et orientale. Et l'Ukraine, on y arrive donc. Je rappelle, 7,4 milliards pour le soutien financier immédiat, 4 milliards pour l'aide militaire et 910 millions pour des opérations militaires en Ukraine, Moyen-Orient et dans la région Indo-Pacifique. Dans la région Indo-Pacifique,
Alors, l'Ukraine, on sait déjà, Moyen-Orient, Indo-Pacifique, ce qui se passe. Ah. Follow the money, d'après moi, il ne va sûrement pas à la bonne place, l'argent. C'est fini, l'Ukraine. Alors pourquoi budgéter des argents? À qui ira l'argent? Ben, c'était moins cher de faire la paix avant que de faire la guerre aujourd'hui. Plusieurs milliards. Ouais. Pas fou de donner l'argent à Zelensky, ça a sauvé des centaines de vies. Peut-être. Pas sûr. Peu importe. Ah, les médecins qui accordent de dire que c'est le vaccin. Ouais, ça, c'est pour les autres problèmes qu'on a. Donc, Indo-Pacifique, on voit que c'est en train de se déplacer par là un peu. Ça ici, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, même au Québec. Regardez, quand je dis c'est un budget électoraliste, le rétablissement d'une capacité de défense industrielle, y compris l'ajout du chantier des vies de Lévis au Québec comme troisième partenaire stratégique dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale qui vise à renouveler la flotte canadienne et à protéger la souveraineté du Canada dans l'Arctique. 1 milliard sur 20 ans pour le changement de culture et favoriser le mieux-être dans les forces armées canadiennes. Et regardez-moi ça ici. Apporter des modifications à la loi sur la défense nationale permettant de formuler des recommandations clés qui feront progresser le changement de culture. Oh, que ça va être intéressant à suivre. Alors, prestations, un financement de plus de 11 milliards depuis 2015 pour améliorer les prestations aux vétérans des forces armées canadiennes, des forces canadiennes, y compris la bonification des mesures de soutien à l'éducation, emploi et aux aidantes et aidants naturels, instauration de la pension à vie. Voilà. Alors, le reste, quelques achats, hein, les Huskies. Achat de 16 aéronefs P-8A Poséidon. Et c'était controversé, ça aussi, cet achat. 2,5 milliards système d'aéronefs télépilotés, fournissant télépilotés. C'est des drones fournissant aux forces armées canadiennes la capacité d'engager des cibles à distance dans des environnements complexes. Première livraison 2028. Donc, le Canada va mettre 2,5 milliards en drones. Mais voyez-vous qu'ils n'ont pas mis le mot drone, hein? Parce que si vous faites une recherche des RONE, il n'y a pas. Fait que toi, tu as le budget à parcourir, tu ne vois pas ça. Des aéronefs télépilotés. Vous voyez comment qu'on fout les patentes? Le NORAD, c'était nécessaire, des yeux un peu. Système de surveillance, de protection, Arctique et autres. Là, on est dans le militaire. Et comme je dis, on fait partie du NORAD, on fait partie de l'OTAN. Si on n'en veut plus, il faut sortir de là. L'OTAN, c'est un traité, l'organisation traité de l'Atlantique Nord. Sa justification actuelle, très douteuse. Un financement de 6,9 milliards pour moderniser le système de surveillance du Canada, dont les nouveaux systèmes de radar transhorizon dans l'Arctique. Et oui, protéger notre souveraineté dans l'Arctique, c'est un fait. On a négligé longtemps. Si tu veux rester comme pays, tu n'as pas le choix. C'est l'investissement, ta défense et autres. Le NORAD aussi, ça sert pour détecter des objets volants non identifiés qui passent au-dessus du Canada et des États-Unis. C'est sûr que ces derniers temps, avec le ballon chinois, il y en a eu un petit peu, là, hein? Bon, et ici, une petite nouvelle cachée dans le budget. Donc, juillet 2023, hein, l'été passé, le premier ministre du Canada a annoncé qu'il élargira le groupement tactique de la présence avancée renforcée en Lettonie pour en faire une brigade dans le cadre de l'opération Réassurance. Lettonie, Russie, Ukraine, vous voyez le topo. Le Canada contribue ainsi aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN. Donc, on n'est pas en mode attaque, c'est en dissuasion. Pour respecter cet engagement, le Canada accroît sa présence en Lettonie jusqu'à 2 200 membres des Forces armées canadiennes et acquiert de nouvelles capacités d'urgence, comme des systèmes de missiles anti-char, des systèmes de défense contre les aéronefs sans équipage, les drones. Là, tantôt, c'était des aéronefs téléguidés. Hein? Je reviens ici. Ce qui sont. Voilà. Aéronefs télépilotés, et ça devient dans l'autre texte des aéronefs sans équipage. Télépilotés, sans équipage. C'est la même chose, je ne sais pas.
Bizarre. Est-ce qu'il y aurait de l'intelligence artificielle là-dedans? Parce qu'un aéronef sans équipage, mais qui n'est pas télépiloté, ça veut dire qu'il est autonome. Intelligence artificielle, des systèmes de défense aérienne portatifs aussi. Et autres. Tu sais, il faut savoir les petits textes et les mots, hein? Ça veut dire de quoi? Le reste, bon, des véhicules tactiques, bien des munitions, infrastructures, etc., défense nationale. Ben, le Canada, c'était le choix, hein? À un moment donné, on n'investissait plus. Menace mondiale. Il faut être prêt à, tu sais, faut être prêt à réagir aux menaces mondiales et protéger le bien-être des forces armées canadiennes. Oui. Donc, le budget, le ratio des dépenses du PIB du Canada devrait atteindre 1,76 % d'ici 29-2030. On a beaucoup d'argent là-dedans. Sachez qu'on a déjà, avec Lockheed Martin à Halifax, des contrats avec la défense américaine pour des nouveaux bateaux. Alors, il y a de l'argent dans le budget de la défense, sans surprise. Je m'attendais à ça. Mais quand je vois celui-là ici, ben, je vais faire un topo parce que ils n'ont pas parlé hier dans le budget trop, mais c'est des choses typiques qu'on n'entendait pas du Canada. Le Chinada, ouais. N'entend jamais parler du résultat de rien, seulement prendre notre argent pour le garrocher à droite à gauche. Pour répondre à Cécile Racicot, pas sûr que Poutine ne va pas parlementer. Pourquoi qu'il parlementerait s'ils ne veulent pas? Des robots, effectivement. Ouais, comme le ballon en Chine, hein? Peut-être. J'espère que ces drones ne seront pas pour surveiller des citoyens. Ah! Hein? 1 milliard en tampons. L'Ukraine, c'est pour du blanchiment, ouais. Mais regardez les autres titres des prochaines chroniques. Protéger les entreprises canadiennes contre la concurrence déloyale. OK? Accord de libre-échange, les personnes peuvent faire des affaires au Japon, Malaisie, etc., avec des ententes. Il faut que la concurrence soit équitable et que les pays respectent les règles commerciales convenues. OK? Donc, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour s'assurer des systèmes canadiens de recours commerciaux et de surveillance des importations. Donc, affecter 10,5 millions sur 3 ans à l'Agence des services frontaliers du Canada pour créer une unité de surveillance du marché dédiée. L'unité sera chargée de surveiller et de mettre à jour chaque année des mesures de recours commerciaux, protéger la main-d'œuvre et les entreprises canadiennes contre les pratiques commerciales déloyales et d'assurer une plus grande transparence, une plus grande prévisibilité du marché. Ils vont-ils arrêter l'immigration illégale? Assurer un traitement réciproque pour les entreprises canadiennes à l'étranger. Si quelqu'un à l'étranger, il décide d'envoyer promener l'accord du Canada, qu'est-ce que le Canada va faire? Pas grand-chose. Et là, on parle de chaîne d'approvisionnement. Vous voyez, ça, c'est important. En cherchant à atteindre la réciprocité, le Canada continuera de collaborer avec ses alliés pour inciter les entreprises à réorienter les chaînes d'approvisionnement vers des partenaires fiables et veillera à ce que les nouvelles mesures ne nuisent pas inutilement aux partenaires commerciaux. Bon, bref, en douce, quand même, je pense que quelqu'un s'en est rendu compte. Il commence peut-être à vouloir sortir de la Chine. Ou sortir de la Chine du Canada. Protéger les chaînes d'approvisionnement essentielles. Tout État qui se respecte, c'est une de ses premières priorités, puis ils viennent d'allumer. Ça fait des années qu'on aurait dû voir ça. Les récents événements qui ont eu lieu au monde entier, de la pandémie à l'invasion à grande échelle, Ukraine-Russie, ont mis en évidence les vulnérabilités stratégiques des chaînes d'approvisionnement essentielles qui ont fait péter eux autres mêmes en passant. Fait que là, ben, ils essaient de blâmer les autres pour le problème. Et toujours, regardez, faire progresser l'économie canadienne vers la carboneutralité. On est encore dans l'imbécilité ici. Alors, vous voyez, au nom de, hein, de protéger notre chaîne de ressources d'approvisionnement et tout, là, hein, une chaîne d'approvisionnement essentielle,
On va passer des programmes de marde vers la carboneutralité aussi, pour faire progresser l'économie canadienne. Ouais, c'est ça. Éliminer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Et renforcer l'interdiction de déportation des biens issus du travail forcé. Ah, on ne peut pas être contre. Comment ils vont s'en occuper, je ne sais pas. Il faut qu'ils envoient des inspecteurs et les usines d'un pays ils disent tout et dehors. Ça veut dire qu'on ne s'habillera plus. Il y a des grosses compagnies avec des grosses marques de vêtements, peut-être que là, ils seraient interdits de vente au Canada. Ouais. Ça va couvrir les achats de tutu, maquillage, bas collants et talons hauts. Ah, il y a ça. Il y a ça. C'est spécial. Mais. Assurer le respect des valeurs canadiennes dans le monde. Spare us your presence, Mr. Prime Minister. Hein? Va donc te promener avec tes valeurs. Les valeurs du Canada. Par le travail qu'il fait pour préserver l'ensemble des règles, des institutions, etc. Ils vont mettre de l'argent là-dedans, là. Crise mondiale en cascade, les changements climatiques, la dette. Ben oui, la dette, innocent. C'est pas la faute du monde, là. C'est nous autres, là. Les pandémies et les conflits mettant à l'épreuve la capacité du système mondial. Ben oui, c'est vous autres qui gérez un cabochon. Tu sais, faut se promener. On crée le dégât. Je garoche un vase pot de fleurs à terre. Puis après ça, je vais dire oui, je vais dépenser 100$ pour ramasser le pot de fleurs que moi-même j'ai crissé à terre, là. Continue d'accroître la priorité à l'égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles par l'intermédiaire de la politique d'aide internationale. Hey, la politique d'aide internationale féministe du Canada. Ben là, si vous êtes une femme qui m'écoutez, allez vérifier, vous allez avoir des subventions pour n'importe quoi, peu importe le projet, si vous êtes une femme. Ça ressemble à ça. 1,4 milliard par année dans Santé mondiale. Ah, Santé mondiale, hein, ça va prendre un organisme qui va gérer ça. Donc, la moitié est consacrée à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes tous les ans jusqu'en 2030. Bon, ben, ça serait facile pour Poilievre de dire je vais couper ça. Moi, je le dis. Moi, membre élu du Parti populaire du Canada, de Maxime Bernier, 1,4 milliard, moi, je coupe ça. Accorder un financement supplémentaire de 700 millions en droits de tirage spéciaux, fonds fiduciaires de la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI. Pour aider à répondre, la FMI n'a pas une bonne réputation dans le monde, en tout cas, pour répondre aux besoins de financement des pays les plus pauvres du monde. On est là-dedans. 400 millions de dollars aide à sécurité en aide humanitaire et développement à Haïti. 400 millions de dollars. Depuis 2022, on en donne. Est-ce que l'argent se rend? Pour améliorer le soutien aux services policiers. Mais si j'envoie des millions là-dedans, c'est quel service policier qui va ramasser ça actuellement, vous pensez? Financement de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement, etc. Donc, fournir une aide humanitaire internationale, OK, bon. Regardez, le budget n'est pas trop gros. Mais ça dépend pourquoi. Tu sais, à un moment il faudra sortir de ces programmes-là, tranquillement, pas vite. Moyen-Orient. Est-ce que le Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite, ils ont-tu besoin de notre argent? 471 millions, c'est pas mal ça qu'ils font en une journée. Là. Si c'est pas en quelques heures. L'ensemble, ça, c'est Moyen-Orient vague, on s'entend. L'Afrique subsaharienne, 862 millions. Let's go! Là, il y a des places à couper l'argent là-dedans. Là. Moyen-Orient, là, tu sais qu'elle s'en va l'argent, c'est pourquoi, là? Tu sais? À quoi sert ce 400? C'est près d'un demi-milliard. À quoi va servir cet argent? Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et rien pour l'Afrique centrale, rien pour l'Afrique partie sud. Drôle de budget pareil, hein? On en passe des petites cochonneries et on pourra faire un autre segment plus tard. Mais Yel sait de quoi Yel parle. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon. Je vais y revenir.
Là, ça, c'est l'autre. OK, je vais y revenir. Je vois vos commentaires. Il y a des commentaires que j'ai mis de côté. Je vais y revenir plus tard. Ah, bonjour, ami de Rumble. Je ne vous oublie pas. Et on est quand même au-dessus de 800 indomptables. Merci beaucoup, tout le monde. Projet du mur, mais on n'a pas le droit de payer une scène là-bas. Pas une scène. Imagine le beau pays, les super services que nous aurions ici si nous gardions notre argent ici. Pourquoi qu'on l'avait au Moyen-Orient? Je ne sais pas. Ils ont de l'argent, ils sont plus riches que nous autres. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Et une gang qui n'a pas aimé, c'est Shopify. Shopify. Je vais mettre aux nouvelles du Canada. Là, ici. Ah, je viens de voir une autre patente à gosse. Il y a plein d'affaires dans le budget caché hypocrite, là. Ça passe vite. Bon, Shopify, où est-ce qu'ils sont? Parce qu'ils n'étaient pas contents, eux autres. Ils n'étaient pas contents du budget. Et c'est de voir les réactions du monde qui se moquaient d'eux autres. Je vais l'avoir ici. Je vais tout sortir par ici. Ouais, je l'ai ici. Shopify. Un trouvaille. Les BRICS vont supporter les crypto-monnaies d'ailleurs. Soutiennent les crypto-monnaies pour le commerce mondial et non le dollar américain. Ça, c'est une autre nouvelle. Tant qu'il ne ment pas vite, je vais revenir sur Shopify après. Je vais vous montrer celle-ci. C'était l'image des nouvelles du jour. C'est pour montrer la tendance vers quoi on s'en va, puis que nous autres, on fait des budgets encore totalement par rapport. Les BRICS qui soutiennent les crypto-monnaies pour le commerce mondial et non le dollar américain. C'est sur le compte de FNL Twitter, @FNL Freedom News. La Russie, membre des BRICS, cherche à accepter les crypto-monnaies pour régler les transactions commerciales transfrontalières et non le dollar américain. Or, la Russie préconise donc de recevoir des paiements en crypto-monnaie alors que le pays est confronté à des sanctions économiques de la part des États-Unis et de l'Europe. La Banque de Russie a annoncé au début du mois qu'elle encouragerait les paiements en crypto-monnaie avec d'autres pays pour les règlements commerciaux. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que bonne nouvelle dans le sens que ça va faire un contrepoids dans tout ce qui se passe et forcer les systèmes à monnaie actuels à réviser leur position. Et voir la tendance qu'ils sont. Comment qu'ils sont. Les tendances qu'ils prennent actuellement. Le budget Shopify, j'arrive. Ce sera pas long, c'est long. Alors, le président et le chef de direction du GM canadien de la technologie a tweeté au cours de la dernière heure à propos du budget. Alors, mauvais jour pour l'entrepreneurship au Canada. Les gains en capitaux ont augmenté de 50 % d'inclusion à 66 %. Alors, c'est voilà le. Le gain en capital net, le taux de taxe de 27 à 36 %. Comparé aux États-Unis, qui a 20 % sur le gain de capital, et
Voilà, donc c'est ce que ça montre, ça va incré, ça va augmenter. Canada has heard rumors about innovation et is determined to will leave no stone unturned to in deterring. Donc bref, on va taxer les entreprises. Et là, de voir les commentaires. Là, les gens se moquent de ça. Ah non, le 0,1% qui vont payer des taxes. Effectivement, si tu as plus que 250 000 de gains, quand les gens aisés braillent, ça veut dire que le Canada fait une bonne chose. Et est-ce qu'ils ont mis à pied 50 % de force de travail? Elle arrive de ça. Ben oui. Canadian government eating them when they're down. Alors, soit qu'ils vont aller aux États-Unis, on go the way of the Blackberry, ils vont sortir du Canada. Voyons, c'est pas grave, le gain ici et ça. No, no, time to produce goods and service again. Les gens se moquent de la déclaration du boss de Shopify. What's the big deal? We don't need these big companies or the wonderful economic opportunity provides. Et voici le commentaire, ce que ça veut dire, t'es bizarre. Mais vous traduire, quel est le problème? Voyons, nous n'avons pas besoin de ces grandes entreprises ni des merveilleuses opportunités économiques qu'elles offrent. Il n'y a plus aucune analyse de rentabilisation en faveur de l'industrie privée ici au Canada. Bref, le signal que ça envoie, c'est bye bye. Alors, les États-Unis, tu vas avoir quelque chose comme la Floride, Texas, Techno, ils vont dire, venez-vous-en. Et là, tu n'as pas de quartier général au Canada, tu as juste des employés. Hein? Pour le système et autres. Donc, Alors, c'est sûr que le message qui est envoyé pour beaucoup de monde, ça veut dire de venez pas ici. Parce que le gain en capital, c'est important pour les entreprises. N'en déplaise au monde. C'est ça. Si les entreprises ferment, vous allez travailler où? Mais s'ils ferment, ça va créer de nouvelles opportunités. L'industrie, Bloomberg, quand même pas rien, là. C'est comme la raffinerie Shell, 2 500 employés directs, puis il y avait 2 000 3 000 à côté. Le monde célébrait quand l'industrie Shell a fermé. C'était déjà bien payé. Ça, c'est Bloomberg, BNN Bloomberg. Alors, c'est un média important pour le monde de la bourse et le monde des finances mondiales. Ben là, voilà. Eux autres, ça les dérange. Et le message va se passer. Donc, il y a peut-être des petits investisseurs qui vont dire, moi, je n'irai pas là. Le taux d'inclusion des gains en capital réalisés jusqu'à 250 000 par les individus continuera à être de moitié. À la base, pourquoi le gain en capital, l'imposer ou le taxer? À la base, tu sais. Mais bon, la majorité des gens vont, il n'y aura pas d'impact pour eux autres. Mais là, c'est ceux qui gagnent 250 000 et plus. Si un salarié a revenu élevé en Ontario avait un salaire de 400 000 et gagnait 300 000 de la vente d'une deuxième propriété, il ne paierait d'impôt de revenu que 50 % de ce gain en vertu des règles actuelles. Toutefois, avec 2025, le paiement va atteindre 158 333. Mais encore là, c'est que ça va au gouvernement. Pourquoi? Pour payer des dépenses. On parle d'équité fiscale. Pour chaque génération, ben c'est donc les taxes et les impôts parlant d'équité fiscale en général. Hein? Parce que moi, l'équité fiscale, on a oublié ça pour moi. Seulement 5 % des Canadiens de moins de 30 ans ont réalisé des gains en capital. Bon. Ben, c'est la capitalisation, effectivement. Non, ça va avoir de l'impact. Mais les taux marginaux de taxes 2024, Canada 14,6 et les autres. Variable. États-Unis, quand ils mettent 19,7, c'est global, mais n'oubliez pas qu'il y a des États mieux que d'autres et pires que d'autres. Peur de hausse fiscale, etc. Donc, c'est le signal que ça envoie. Hein? Mais par contre, entrepreneurs, incitation à l'entrepreneuriat. Alors,
bénéficiant d'une exemption combinée de 3,25 millions lors de la vente de tout ou partie d'une entreprise. Donc, ça va savoir. Il faut nationaliser l'eau, le bois et les ressources minières. Peut-être, c'est des débats à voir aussi. Fait qu'ils payent leur part, on leur donne tout à rabais, eau, électricité. Ben, je ne suis pas plus d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on lui donne tout. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça l'avance, c'est que ça n'arrête plus. À un moment donné, des compagnies vont quitter, les nouveaux ne viendront pas ici. Et les filiales ouvrent aux États-Unis déjà. Les fonderies. Les mines, les compagnies forestières ne peuvent pas aller nulle part. Les ressources sont ici. C'est nous, le peuple québécois, qui exploite les mines et forestières. Mais ça, cette mesure-là ne change rien pour eux. Ça ne change rien. Donc, il n'y aura pas de changement. Moi, je suis trans-États-Unien. Est-ce que je peux quitter sans laisser la moitié de mes REER ici? Oui, exactement. Le gain en capital ne devrait jamais être taxé, selon moi, sauf peut-être universel flat tax de 10%. C'est un sujet abordé. On l'a déjà parlé, déjà proposé. Les gens ne veulent pas. Mais ce serait peut-être la meilleure solution, plus équitable. Parce que si tu n'ajoutes pas, tu n'ajoutes pas. Mais les mises à pied, ben écoutez, vous savez que le chômage, vous allez être content avec le gain en capital sur le chômage. C'est-à-dire pas pantoute. Si la personne gagne 70 000, puis son capital est 250 000, alors va être imposé son salaire de 70 000 et 250 000 qui embarquent par-dessus. Oui. C'est pas juste les riches. Et non. Pas grand-chose pour les agriculteurs. C'est vrai, je n'ai pas cherché beaucoup, mais je n'ai pas eu d'annonce. Il y en avait un peu dedans. Il parle de la tarification fédérale de la pollution, surtout, là. Ben, les gens vont être assurés, il n'y a pas de gros changement. Assurer des coûts plus bas et un traitement équitable dans le secteur des agriculteurs. Hein? Ben, je vais vous montrer pour les agriculteurs, il y a un petit quelque chose. Encore là, c'est curieux. Ben oui. Agriculteurs, agricultrices, vous me direz si c'est bon. Assurer des coûts plus bas. Et regardez ce qu'ils mettent dans le texte. Que ce soit à la ferme, au travail ou chez soi. Les gens méritent également une plus grande interopérabilité de l'équipement qu'ils achètent. Quelle qu'en soit la marque, les agricultrices et agriculteurs devraient être en mesure de relier leur tracteur John Deere ou leur moissonneuse-batteuse New Holland à l'équipement spécialisé dont ils ont besoin de tiers, y compris des fabricants de produits de série restreinte. Le secteur agricole devrait pouvoir utiliser comme il le souhaite l'équipement coûteux qu'il achète pour exploiter une ferme. Oui, il faut qu'ils achètent. Mais au lieu de baisser les hosties d'impôts et de taxes, qui vont se payer ce qu'ils veulent, on joue dans l'enculage de mouche là-dessus, là. Donc, consultation en juin prochain sur l'interopérabilité afin que les agriculteurs et agricultrices puissent exploiter leur équipement de la manière la plus appropriée. Je pense que les agriculteurs sont débrouillards en général. En tout cas, je dis ça de même, là. Alléger les intérêts pour les agriculteurs agricoles, bon, c'est peut-être une bonne mesure. Le gouvernement a temporairement fait passer le plafond de la partie sans intérêt des prêts accordés dans le cadre du programme de paiement anticipé de 100 000 à 250 000 en 2022 à 350 000 en 2023. Donc, ainsi, ces changements ont aidé plus de 10 000 agricultrices et agriculteurs à composer avec l'augmentation des coûts des intrants agricoles. Comme les engrais et le carburant, engrais, faut-il le dire, qu'on a mis une surtaxe, déclenchée par la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine. Bon, bref. Les coûts des changements climatiques. Bon, le reste, c'est un budget à saveur woke électoraliste. Encore là, c'est viser la mauvaise cible. Ceux qui ne payent pas assez sont les multinationales qui polluent, qui sacent le camp. Un coup, la passe de cash finie. Ça, c'est un problème. Puis au Québec, Canada, personne n'en parle. Vous verrez pas ça dans le budget non plus, là.
Pas trop effectif dans le présent. C'est un budget qui est relativement vague, pas de constance présentement. Pendant ce temps-là, Sirois, Châteauneuf-Terre et ceux qui n'en peuvent plus dans les cultures. Ils vont les obliger à ajouter des équipements supplémentaires pour le carbone et le climat? Peut-être. Ah, ton vieux John Deere, là, il ne respecte pas les normes. Ouais, tu seras peut-être mieux de t'acheter celui-là. Ouais, mais là, j'ai mon équipement. Puis là, si j'ajoute celui-là, ce ne sera pas compatible. Ah, ouais, t'as un peu, on a quelque chose pour toi. Hein, c'est. Commence à enlever la paperasse et enlever tous les écofrais et toute niaiserie, puis ça va aider pas là. Les agriculteurs vont trouver le moyen de s'arranger eux autres mêmes. Alors, on est dans. Là, on a le budget qui a été déposé. Bof. Anyway. L'opposition maintenant. Hier, je l'ai découvert en direct avec Samuel Grenier. L'opposition, les deux chefs d'opposition n'ont pas parlé. Poilievre a dit qu'elle allait être contre. On va y revenir sur Poilievre d'abord. Une autre affaire liée au budget, Maxime Bernier. Puis il dit un gros mot. Ah, qui n'est pas fin. Et les Canadiens ont de la difficulté à payer leur épicerie, mais bien sûr, les libéraux ont quand même trouvé 42 millions de plus pour leur bras de propagande. Radio-Canada accueille favorablement la dépense de 42 millions dans le budget fédéral. Ben oui, un petit 42 millions de plus pour Radio-Canada. Qui vont pouvoir parler contre nous autres? Christian Freeland qui affirme que son budget vise à aider les jeunes générations en taxant plus, en dépensant plus et en enregistrant un autre déficit important. En réalité, ne fait que leur léguer plus de dettes à rembourser, plus d'inflation, plus de pauvreté dans les décennies à venir. Donc, vous voyez, puis là, les autres, le gouvernement canadien va taxer les plus riches, cherche à séduire les jeunes. Mais il le pèle un 40 milliards de déficits supplémentaires d'en face. Arrangez-vous avec ça plus tard. Les libéraux ont doublé la dette du pays depuis leur élection. Les frais d'intérêt, on n'en parle pas, étaient de 35 milliards par année. Cette année, ça va être 54 milliards, l'équivalent des revenus générés par la TPS. Donc, tout ce que vous payez en TPS à chacun de vos achats sert principalement maintenant à payer les seuls intérêts de la dette. Si, comme il est probable qu'il y a une crise économique importante au cours des prochaines années, les recettes de TPS vont fondre, le déficit va exploser encore et les frais de la dette vont accaparer encore plus de revenus, comme c'est arrivé durant le COVID show. C'est ainsi que les libéraux nous enfoncent toujours plus dans l'endettement et l'appauvrissement au lieu d'assurer notre sécurité financière. Mais voyez, on a des beaux slogans par contre. Hein? Et ça, on va y revenir ensuite. Poilievre se dit prêt à appuyer le budget libéral. Ça, c'est le tweet de Poilievre. Trois demandes du gros bon sens pour le budget de demain. Couper la taxe sur les agriculteurs et la nourriture. C'est possible que Trudeau dise oui à ça, imaginez-vous donc. Bâtir des logements, pas de bureaucratie, mais c'est le plan de Trudeau. Plafonner les dépenses avec une règle dollar pour dollar afin de faire baisser le taux d'intérêt et l'inflation. Les conservateurs, les gros bon sens, ne soutiendront le budget que si ces trois conditions sont remplies. Ah, il serait-tu fourré? C'est ça l'opposition officielle. Trois petites demandes. Minables. Poche. Et non, mais hier, avec Samuel, sincèrement, on a couvert le. C'est pour ça qu'on l'a fait rejouer. Vous l'avez vu repasser. Moi et Samuel, on était plus critiques envers le budget que Pierre Poilievre, OK? Vraiment, là, c'était lamentable. Couper la taxe de carbone pour les agriculteurs et les aliments seulement, pourquoi ne pas la supprimer comme il l'a dit constamment? Vous voyez, hein? Couper la taxe sur les agriculteurs et la nourriture, pourquoi pas toutes? Bâtir des logements, en fait, le plan des libéraux pour construire des logements pour des millions d'immigrants est exactement le même que celui des conservateurs. Plafonner des dépenses. Nous devons radicalement réduire les dépenses pour arrêter la spirale de dette et non seulement les plafonner au niveau astronomique actuel. Alors, c'est ça qui se dit conservateur. Des députés du PPC n'appuieraient jamais un autre budget libéral désastreux qui détruira davantage notre économie et nous appauvrira. C'est-tu à cette lère? Et pas besoin de vous dire que,
Je voterai non avec plaisir avec ce budget-là. Et là, ben, on a Éric Lefebvre qui était, là, il a changé son titre, il était le whip en chef de la CAQ. Il est maintenant simplement député d'Arthabasca indépendant. Il a encore son tag Éric Lefebvre CAQ, donc il va changer. Et là, maintenant, il va siéger dorénavant comme député indépendant et poursuivre mon travail auprès des citoyens d'Arthabasca. Merci à mes collègues et collabos de toutes ces années, collaborateurs. Un élu justifie une hausse de salaire de 30 000 parce qu'il a vu sa mère une seule fois en un an. Ça, c'est lui. C'est aussi le gars qui a eu un problème d'éthique, qui était visé par une affaire d'éthique. Fait que c'est ça. Et les convictions, hein? Alors, ce gars-là se prépare une carrière au fédéral. Et Poilievre, là, la masse, je ne le ferai pas jouer, là. Pierre Poilievre, il était à Choix FM ce matin, c'était dur à écouter. Dominique Moret a été honnête, il a posé la question pourquoi. S'il avait parlé, oui, ce gars-là représente les valeurs du gros bon sens, il est un gna, bon, c'était plate. Hier, j'avais répondu ceci à Dominique Moret. Êtes-vous vraiment surpris? Pas pour rien que j'ai quitté les conservateurs en 2018. Je n'étais pas assez libéral aux yeux de plusieurs. Regardez le caucus du Québec. Have fun! Hein? Ce que j'en pense, ben, moi, je ne suis pas surpris. Et le commissaire à l'éthique, hautement préoccupé par la CAQ. Ah! Le whip Éric Lefebvre ne s'est pas assuré que le matériel des adresses courriel des membres de son personnel ainsi que leur temps de travail soit uniquement utilisé pour des activités liées à l'exercice de sa charge. Bref, c'est ce gars-là que Poilievre ramasse dans son équipe. Mais moi, j'ai dit, je l'ai rajouté en dessous de Dominique Moret. En tout cas, ça reste dans la même gang. Les mouvements de contrôle, c'est ce qui est important. Ça, c'est la femme à Poilievre. Alors, ceux qui veulent voter Poilievre, go, go, go. Vous allez avoir du fun. State of Facombe! Désobéir cette règle pourrait vous amener des frais et autres, hein, des frais criminels. Alors, soyez proactifs, écoutez les experts et respectez la quarantaine, tout pour tout le monde. Eh oui. Hein, on va leur publier. Pouf! Eh oui. Alors, c'est ça, Poilievre. Et son équipe, habituez-vous, vous allez en avoir d'autres. Il y en a d'autres de la CAQ qui vont démissionner parce que ça ne va pas bien. Sondage catastrophique, évidemment. Bon. Ah, alors, ça empêche plein de bêtises. En attendant, la pension à vie, c'est le rejet, effectivement. Si les conservateurs n'avaient pas accepté le budget, la Chambre aurait été dissoute et on serait allé en élection. N'importe quoi, il avait plus de chiens hier. Puis plus de chiens, c'était pas grand-chose. On l'a fait jouer avec Samuel pour écouter l'extrait. OK, il critiquait un peu. Il l'appuyait pas, mais... Trudeau a trop mis le Canada dans le trou et toutes les autres parties vont avoir de la misère à mettre le Canada dans le bon sens. Joe, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Hein? Mais oui, il recule le navire. Ben, coudonc. Mais non. Bon, donc, c'est elle qui fait partie du WEF. Je me dis, ben oui, il ne peut pas la. Tu sais, quand Poirier avait dit à moi, il n'y aura pas personne de mon caucus et du ministre qui va être membre du WEF, effectivement. Ben, tu pourras avoir tout le reste du monde autour. C'est pas grave. PPC pour Milan. Yes, merci Simon. Le commissaire est hautement préoccupé, mais c'est juste bien paraître. Au final, il n'y a jamais eu de suite. Et voilà, donc, les transfuges, ça commence. Bon. Alors, c'est notre monde aujourd'hui, du 17 avril 2024. Et le lendemain budget, ben, c'est sans surprise, ceci dit. Pour moi, là. Deux petites choses. Et bon, il y a eu un accident important sur Henri IV ce matin. Ça s'est réglé. Boeing a redécollé aussi. Alors, services d'incendie d'urgence sont là. Ça, c'est correct. Bon. On a parlé d'Ukraine. Tantôt, brièvement.
Ben oui, quand ils vont dire que c'est la faute du parti avant eux, ils ont raison. Oui, c'est clair. Alors, Ukraine, 17 morts dans une frappe russe sur une grande ville du nord. Alors, c'est pas Kiev non plus. Triple frappe russe, Tchernigiv, grande ville du nord de l'Ukraine. Le président Zelensky a mis en cause une nouvelle fois le manque d'aide de l'Occident. Bon, c'est notre faute à cette heure. Comment ça va? Il est en train de gagner, là? Il me semble qu'il disait qu'il gagnait, ça fait longtemps. C'est dégueulasse, la guerre. Mais on souhaite que ça arrête le plus vite possible. Mais on ne veut pas. Il ne faut pas que la Russie gagne. Cela ne serait pas arrivé si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements de défense anti-aérienne et si la détermination du monde à résister à la terreur russe avait été suffisante. Car la Russie bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes à l'aide de missiles et drones explosifs, notamment ses infrastructures énergétiques. Vrai. Face à une aide occidentale qui s'essouffle, l'Ukraine est confrontée à un manque croissant de moyens pour intercepter ses engins. Et à ce sujet, le Congrès actuellement, pas ça ici, les Républicains, Chantal Roy, dernière heure, les Républicains de la Chambre des représentants révèlent un projet de loi d'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'aide, là. On peut dire qu'ils n'ont pas eu, qu'ils n'ont pas eu d'aide, là. Entendu parler que la momie a approuvé une attaque d'Israël sur l'Iran. Ben ça, c'est pas probable. Les États-Unis ont dit qu'ils n'allaient pas trop suivre. Mais est-ce que les États-Unis sont en mesure de toute façon d'imposer quoi que ce soit? Que Biden dise oui ou non, ou tout le monde s'entorche. Alors, Israël répond, le chef militaire répond que oui, il y aura une attaque. Il va y avoir une riposte. L'Israël avait prévu attaquer lundi, mais ils ont attendu. Alors, on a encore des otages. Et quelqu'un, un politico, franchement. Et c'est un journal qui est biaisé, mais tu sais, ils sont tellement nono. Regardez la question. Enfin, se peux-tu oser poser même la question? Est-ce que Biden a considéré avoir une stratégie sur l'Iran? Sérieux, là. Eux autres, ils pensent vraiment que Biden, il mène quoi que ce soit, là. Alors, mais ça, c'est n'importe quoi, là. Oui, ils ont des missiles. Démonstration de force, d'ailleurs, de l'Iran, qui joue des bras en pleine crise pour montrer que, hey, on est là. On est plus haut que vous pensez. Et voilà, la gang, hein, ça marche militaire. Très important pour montrer à leurs gens qu'ils sont dans le game. Eux autres aussi. Un petit défilé. Ça vient du journal de la presse. Et ce que je vous avais dit, la République islamique d'Iran célèbre la journée de l'armée en saluant le succès de son attaque inédite contre Israël, ce qui est considéré comme une victoire par beaucoup de gens en Iran. Il n'y a pas eu de mort. Ils ont attaqué une base un peu suicide. Ils ont percé des missiles de défense antiaérienne avec des missiles supersoniques, hypersoniques, pardon. 400 drones ont été lancés. Quand même, c'est pas banal. 400 drones lancés sur Israël. C'est une bonne cadence. Alors, démonstration de force en Iran pour montrer à leur gang. Si la moindre agression était perpétrée par le régime sioniste contre notre sol, cela conduirait, eh oui, à plus d'interventions et autres. Ah, on l'a ici. Une riposte féroce et sévère. Le message est lancé. Si vous voulez nous attaquer, bonne chance. 350. Ah, voilà. C'est pas 400. Même si il y en a qui nous disent 400, c'est 350. Même si la quasi-totalité des 350 drones a été interceptée, ce qui est vrai, ben, il y a 6-7 missiles hypersoniques qui ont atteint leur cible. Donc, c'était un objectif militaire, un test en même temps qu'il faisait. Alors, on a la riposte d'Israël qui s'en vient.
Ils vont riposter. J'en suis convaincu. New York City, ça va brasser. Ils mettent les illégaux des hôtels, tout inclus, dans 30 jours. Ouais. Ils vont sortir. Ils arrêtent de leur donner de l'argent mensuel. Fait que là, les illégaux ne veulent plus sortir des hôtels. Ça, c'est vrai aussi en passant. Quand ils arrivent à les expulser, là, ils ne veulent plus sortir. Pendant tout ce bordel-là, on a eu ça ici. Incroyable, au Japon, hier, la divulgation d'informations à la presse et médias TV sur les dommages de la piquouse. Effectivement. Au Japon, mais je sais que ça, les gens, ils veulent pas, là. Mais... À Montréal, nouveau démantèlement d'un campement de sans-abri. Ça va bien, Montréal. L'Iran, ils ont des S-300 russes de défense antiaérienne, un nouveau système équivalent au S-400. Et les S-300 sont bien techno un peu, c'est pas comme les S-400, mais quand même performants. Mais anyway, voyons, on sait même pas qui c'est au monde. Tout le monde se fout de Biden et peu importe. Zen et sa femme dépensent des millions juste pour eux et non pour son peuple. C'est pas mal ça. Hey, la personne pour dire à Zelensky d'arrêter de se payer les voyages dans tous les pays de l'Occident pour se prendre les vacances de la guerre et demander plus d'argent à continuer. Cela ne serait pas arrivé si l'Ukraine n'aurait pas agacé l'ours. Ben, il y avait des ententes qui auraient pu se produire, mais quand est-ce qu'il va faire sa contre-offensive, je ne sais pas, on attend encore. C'est supposé être la fin de la Russie, là. Ouais. C'est le Japon qui va finir par faire sortir toute la vérité, peut-être. Ben, ou les dégâts ou autre. Ça va se poursuivre. Israël, donc, c'est Axios Strategy Consulting. Et Erin que j'écoute une fois de temps en temps, qui est super hot. Et c'est une firme de stratégie, de politique et autres, mondiale, internationale, locale. Israël a considéré de frapper l'Iran lundi, mais a décidé d'attendre. Alors ça, c'est le type de fusée qui a été trouvé. Hein? Missile balistique. Les vieilles casseroles, là. A été interceptée. La plupart ont été interceptées, mais on va voir. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des gros impacts. Ça, c'est pas juste un drone, comme vous voyez, là, c'est un missile, là, quand même. Avec une tête, une charge. Il n'y a rien de nucléaire là-dedans. Pour le moment. Bon. Est-ce que la vérité va sortir? Il y en a qui disent, passe à autre chose, c'est fini, la cop attente. Ah ouais? Êtes-vous sûr de ça? Un professeur complotiste et anti-vax congédié à Trois-Rivières. Imaginez-vous. Dans l'actualité, là, il y a des choses qui se sont ajoutées dans la dernière heure. Entre autres, notamment, il y a un enseignant du centre de services scolaires Chemin du Roi qui a été remercié pour des propos complotistes. Absolument, il travaillait à l'école Chavigny et était congédié après des plaintes qui ont été déposées par les parents d'élèves. On nous dit que le professeur est resté 12 jours dans l'établissement scolaire. Il était là parce qu'il remplaçait. Les élèves auraient aussi trouvé des images de lui sous l'emprise de l'alcool qui participait au convoi des camionneurs à Ottawa. On a aussi retrouvé des partages de vidéos complotistes sur sa page Facebook. Du côté des centres de services scolaires Chemin du Roi ont réagi, puis je viens d'avoir la communication officielle que je vais vous lire. Hier, le centre de services scolaires a été informé de la situation. Dès ce matin, la direction de l'école a rencontré les enseignants concernés. Le service des ressources humaines a mis fin au lien d'emploi. Cette personne avait été engagée pour la première fois afin d'effectuer un remplacement. Au total, il aura travaillé 12 jours pour le centre de services scolaires. Nous tenons à souligner que la sécurité des élèves n'a jamais été compromise. Des vérifications nous confirment que la personne n'a aucun antécédent judiciaire. Cependant, les propos et les valeurs exprimées par cette personne ne correspondent nullement aux normes attendues de nos membres, du personnel, ainsi qu'aux valeurs de notre organisation. OK. Je vais me permettre de commenter si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai reçu l'information tout à l'heure. Donc, le professeur en question tenait des propos de ce genre. OK? On m'envoie parce que c'est les parents qui m'envoient ça, dont les élèves étaient dans un cours pas plus tard qu'hier. Quelqu'un qui louangeait Vladimir Poutine, qui disait qu'une secte, c'est la même chose qu'une religion, sauf que ça ne rejoint pas les standards du gouvernement. Il affirmait que la COVID est exagérée, que c'était juste une grippe. Il dit que les vaccins ne servent à rien.
tient des propos masculinistes, défend Trump et dit que ce sont les médias qui l'ont diabolisé, tente d'enlever toute crédibilité aux personnes ayant été victimes de Trump. On m'envoie même sa chaîne YouTube. On voit des vidéos de lui où il essuie. À l'époque, vous savez, pendant la pandémie, il y a des gens qui s'amusaient à aller dans le métro là, puis à passer leurs mains sur les poignets et tout ça. Le mettaient dans un verre d'eau, buvaient le verre, puis disaient « Oui, oh, la COVID, c'est pas vrai, là, c'est pas dangereux. » On le voit se promener qu'un chandail sur lequel est écrit « Ce masque ne sert à rien. Fausse pandémie. » Il explique que le 11 septembre est un complot. Il y a une chaîne YouTube à son nom. Alors, là, vous allez m'expliquer quelque chose cet après-midi au centre de service scolaire. Qui s'occupe des embauches? OK? Vous allez m'expliquer. Je veux bien là, la ligne officielle, OK, du centre de service scolaire. Puis on prend ça au sérieux. Puis à aucun moment, les jeunes ont été en danger. Bien, je suis désolée, mais de tels propos dans une école, c'est inacceptable. Tu sais, les antécédents judiciaires, là, OK, c'est une vérification. Ça va. Mais là, là, nous sommes en 2024. Exact. OK? Puis petit message aux ressources humaines, là. Les réseaux sociaux, ça existe. Puis il y a bien des choses qu'on apprend là-dessus. Puis c'est un minimum de vérification de voir ce qui se passe écoutez, là-dessus. Bien, un gros minimum. Parce que si les élèves ont été capables de trouver d'un claquement de doigts, vous me direz que les jeunes sont rapides là-dessus, là. Mais si les élèves ont été capables de trouver, puis savez-vous quoi? Avec le nom de la personne, là, en 3 minutes, tu as tout ça, là. Mm-hmm. Alors, visiblement, il y a un travail qui n'a pas été fait quelque part. Ben, c'est clair. Fait que je veux bien là, qu'on nous sorte des lignes de communication officielles. Mais il y a une ou des personnes au centre de service scolaire qui n'a pas fait sa job. Alors, je suis désolé, là, mais c'est beau de dire « Ah oh, non, inquiétez-vous pas. » Bien, j'espère qu'on peut être inquiet. Parce que des propos comme ça dans une maison d'enseignement, savez-vous quoi? C'est inacceptable. Et j'espère que les parents se sont plaints. Il y a des parents qui m'ont écrit pour dire à l'école « Moi, ma fille ou mon garçon ne continuera pas tant que le prof ne sera pas mis dehors. » Et avec raison. Hey, c'est tout ça qu'on veut. Je comprends qu'on manque de monde, puis on manque de personnel. Il y a des limites. Il y a des maudites limites à engager n'importe qui. Et voilà. Fait que, y a pas un, je ne suis pas bien fier. Il n'y a pas un très beau travail qui a été fait. Puis il était où avant? Franchement, ben exact. Il était où avant? Les réseaux sociaux, on le vérifie. C'est un minimum en 2024 au niveau des ressources humaines. C'est très inquiétant. Alors, bon, plein de parents. Alors, c'était sur 106.9. Alors, j'ai partagé l'extrait. Un professeur complotiste, des propos inacceptables dans une école. C'est ça. On est là-dedans. Comme vous voyez, c'est pas fini encore. Et là, ben, ça va être la chasse aux sorcières qui va se poursuivre. Alors, professeur complotiste, donc c'était 106.9. Vous l'avez entendu. Basé sur une plainte de parents. Oui, oui. Bon, ils vont engager les drag queens à la place, ça c'est clair. Voilà. Mais oui, non, mais ça, c'est pas pareil, là. Mais si le prof est woke, brainwashé, les enfants, pas de problème. Oui, ça, c'est pas pareil. Exactement. Oui. Donc, on est là-dedans encore, hein? Oui, c'est pas fini. Ça me rappelle la crise d'octobre. Un de mes profs avait été arrêté parce qu'il tenait en classe des propos indépendantistes. Ben voilà! Lui, c'est un prof qui avait son opinion. Puis oui, il était au convoi des camionneurs. Hey, toi, chose. Incroyable. Ce professeur n'a rien fait de mal autre que de donner un autre son de cloche. Ah oui. Au cégep, sciences pures, j'avais un prof de chimie anti-vax, car la chimie, il connaissait ça. Ben, peut-être des raisons, hein? Par exemple, au professeur Provost, hein? Hallucinant, ouais, maison. Alors, rendu là, hein, chambre à gaz pour lui, donc, ben oui, hein, c'est... elle peut bien dire ça, elle, les dragues dans les écoles, c'est pertinent, hein, ouais. Désolé, Wallace, fallait l'écouter. Fallait écouter ça, c'est lourd. Alors, de toute façon, dans 50 ans, les Québécois sont 10% au Québec, anyway. Effectivement. Donc, la noix de Grenoble qui voulait nous tuer à grand coup d'hache, il y aurait de la job de prof demain matin, tout de suite, instantanément. Bon, il n'y a peut-être pas d'en parler à l'école, mais rejeter cette candidature par l'espionnage des réseaux sociaux, de un, mais même là, il n'y avait pas d'en parler à l'école. Maggie, OK, si on le fait pour lui, je n'ai pas de problème, mais qu'on le fasse pour tout le monde. Ah, ça inclut les discours syndicalistes, pro-Greta, les changements chaleureux, on va tous mourir. Ben oui.
Les journaleux font de l'ingérence dans la vie privée, censurent l'expression. Et il manque combien de profs des milieux scolaires déjà? Pas assez encore. Pas assez. Effectivement. Donc, on est dans cette connerie-là. Le scandale, il est à TV, hein? Mais il allait contre le narratif. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il allait contre le narratif. C'est clair. Alors, il a dérangé. Ça fait quelques nouvelles un peu. Quelques journaux en ont parlé, là. Français, Canada. Hey boy. Faut pas apprendre l'anglais, hein. Des fois qu'on s'informera ailleurs, surtout. Alors, ouais. Alors, professeur. Puis là, il y a un parent qui est en colère, là. Parce que là, il y a son enfant, là. Il l'a écouté, là. Trois-Rivières. Ça, c'était Trois-Rivières. Professeur suspendu, retiré. Retiré, voilà. Je le vois-tu ici? Non. Non, je le trouve pas. Anyway. Donc, c'est mieux de n'importe quoi. C'est ça. Donc, suivez ce qui est écrit dans le cours. Un prof qui respecte ça à 100 000 à l'heure. Ça doit être neutre en tout temps. Mais au cégep, effectivement, ils sont capables de discuter. Où sont les parents pour les enfants ont eu des séances avec Barbada? Ouais. Ça risque d'être moi la prochaine plainte à Trois-Rivières. J'arrive de l'école de mes gars hier. Alors voilà, basé sur des plaintes de parents, la dénonciation à l'honneur, comme d'habitude. Ben alors, merci beaucoup. Vous avez aimé ce live. N'oubliez pas, vous pouvez contribuer à cette chaîne Libre et sans censure. Et en passant, on a pogné, et oui, 900 et plus. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas de nouvelles du lundi. Demain, je serai en entrevue. Bye-bye.